Bonjour à tous, on est dimanche matin, je n'ai pas encore beaucoup de voix, mais j'ai ma tasse de café pour bien me réveiller et on attaque tout de suite. Alors donc, il y a Amy qui m'a demandé d'expliquer un tout petit peu les adjectifs comme ici, durder, meer, minder, beter, goedkoper, vriendelijker, etc. Donc à mon avis, ça semble les adjectifs qu'elle donne ici, en fait ce sont toujours des comparatif. Et des comparatifs, c'est quoi? Ça veut dire je compare deux choses et l'un est plus que l'autre ou l'un est moins que l'autre. Donc, deux mots ici, pardon, ces deux mots-là, meer et minder, sont un peu différents des autres parce que les autres, c'est vraiment des comparatifs, donc un mot où on a ajouté er ou der pour dire plus cher. Donc, dur. C'est cher. Duurder, c'est plus cher. Goedkoop, c'est bon marché. Goedkoper, c'est plus bon marché ou meilleur marché. Ici, vriendelijker, c'est gentil. Vriendelijker est plus gentil. D'accord? Alors, beter ici, pourquoi il est aussi un tout petit peu spécial? C'est parce que c'est une exception. C'est le comparatif de goed. Donc, goed, c'est bon, et beter, c'est meilleur. D'accord? Meilleur, ou même en néerlandais aussi, mieux. D'accord? Donc, voilà, on ne dit pas goeder, on dit beter. D'accord? Et alors, on a les mots meer et minder, plus et moins, qu'on va parfois ajouter à un adjectif. Et j'ai expliqué ça dans une autre vidéo, vous pouvez aller vérifier, j'ai expliqué ça dans la vidéo de comparatif superlatif. Mais quand même, donc ici, pour que ce soit clair pour Amy, on va faire quelques phrases ici, comme ça. J'espère que ça devient clair. Alors, cette maison est chère. Dit house, je mets dit et pas des, c'est parce que ça vient de house, is dur. Voilà, là, c'est simplement un adjectif qui se met à la fin de phrase, et quand il est à la fin de phrase, je ne dois jamais rajouter un e à la fin de l'adjectif. Bien. Cette maison est plus chère. Donc, dit has, de nouveau, is. Et donc, pour dire le plus, dans certains cas, quand le mot est un peu long, quand le cher est un peu long, ce qui ici n'est pas le cas, parce que c'est juste dur, mais donc parfois, on traduit plus par meer et cher par dur. Donc, meer dur. Mais ça, on ne fait pas en néerlandais pour les mots qui sont assez courts et faciles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter er à la fin et même pour dur. Parce que si maintenant, je rajoute er, durer, on trouve ça un peu bizarre parce qu'il y a deux r. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Durder. Voilà, donc ça, on a rajouté pour dire, ou pardon, le DER, on a rajouté pour dire plus cher. D'accord? J'espère que ça s'est compris. Alors, la maison qui est plus chère se trouve à Bruxelles. La maison Hot House. Qui est plus chère? On pourrait dire dat duurder is. Voilà. On peut faire une petite phrase ici qui est plus chère. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut tout de suite en faire un adjectif. D'accord? Et c'est ce que pour les mots faciles, on va faire en irlandais. On ne va pas dire dat duurder is qui est plus cher. Non. On va mettre ça comme adjectif. Duurdere huis ligt in Brussel. Est-ce que vous avez vu ça? Parce qu'en français, le français est une langue qu'on décompose plutôt, hein, on tire en morceaux. En néerlandais, on va essayer de tout raccourcir, rendre très compact. OK. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dit? Et je l'ai mis ici, vous voyez? En néerlandais, on va plutôt dire la plus chère maison. En fait, c'est... Oui, la plus chère maison se trouve à Bruxelles. D'accord? On va mettre plus cher ici comme adjectif. Et attention aussi. Je ne suis pas en train de dire la maison la plus chère. Ça, je ne dis pas. Parce que ça, c'est le superlatif, d'accord? Donc, ça, c'est het beste huis. Je ne parle pas de ça.
Je parle donc la maison qui est plus chère. Donc je compare deux maisons. Ah, j'ai trouvé deux maisons. Et celle qui est plus chère se trouve à Bruxelles. D'accord? Donc, het duurdere huis ligt in Brussel. Est-ce que vous avez compris qu'en néerlandais, on transforme donc ça en adjectif, et alors qu'en français, on va plutôt dire qui est plus cher. D'accord? Ok, alors, vous allez dire pourquoi est-ce qu'il y a un E ici à l'adjectif? Et en fait, oui, pourquoi il y a un E à l'adjectif? Ça aussi, j'ai fait une vidéo, on met toujours E à l'adjectif, sauf neutre, indéfini et singulier. Mais ça, vous pouvez vérifier dans une autre vidéo. Ok, ça, on a fait très très bien. J'ai plus d'argent. Par exemple, j'ai plus d'argent que toi. Toi, j'ai plus d'argent. Ik heb. Et plus, comment on dit plus? Meer. Et comment on dit argent? Geld. Vous voyez? C'est ici qu'on utilise le meer. Le meer, on l'utilise pour faire un comparatif avec un adjectif compliqué, mais on l'utilise aussi ici avec un substantif. Geld. Argent. Plus d'argent. D'accord? Ik heb meer geld. J'ai moins d'argent. Et bien là, j'utilise le minder. Ik heb minder geld. J'ai moins d'argent que hier, par exemple. J'espère que vous me suivez. Mais si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez toujours me contacter. Et je prends une petite gorgée de café. Voilà, désolé. Je suis plus intéressée. Alors, intéressée, d'abord, c'est assez long parce que c'est je interessiert. Mais en plus, ça vient d'un verbe. Quand ça vient d'un verbe interessieren, souvent, on ne met pas le er à la fin pour dire plus et adjectif. Vous voyez? On peut le faire. On peut le faire, mais je pense que vos professeurs vont vous dire de mettre « meer » devant, plus intéressé. Et donc, je suis « ik ben » et donc « meer geïnteresseerd »,« meer geïnteresseerd », point. Ok. On peut dire « ik ben geïnteresseerder » parce que le « er » à la fin remplace le « meer ». D'accord? Et comme j'ai dit, quand le mot est un peu long ou vient d'un verbe, souvent, on met plutôt « meer ». Ok. Alors, les gens qui sont moins intéressés peuvent partir. Et de nouveau, qui sont moins intéressés, on va en faire un adjectif. Enfin, on va le mettre devant, oui, on va faire un adjectif. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Et je l'ai mis ici entre parenthèses. Les moins intéressés gens peuvent partir. Ce n'est pas du français, hein. Donc, c'est pour vous dire comment je construis ma phrase en néerlandais. Les moins intéressés gens peuvent partir. Et en français, d'ailleurs, on peut le faire aussi, mais seulement, on ne va pas mettre Jean, on va enlever Jean. On va mettre les moins intéressés peuvent partir. Donc, en néerlandais, de minder je, où est-ce que je suis là, le petit point, de minder geïnteresseerde mensen peuvent, mogen, partir, vertrekken. Voilà, donc, moins intéressé, c'est minder geïnteresseerd. J'ai mis un E à l'adjectif, minder geïnteresseerde. C'est de nouveau la règle, adjectif avec ou sans E. D'accord? Je le mets toujours, sauf, parfois je peux le couper, quand c'est neutre, indéfini, singulier. À voir dans l'autre vidéo. Alors, maintenant, on a, c'est une meilleure version. Hot is, et donc, meilleur, j'ai dit, c'est en fait, en français, c'est une exception aussi. On dit pas plus bon. Donc, on a bon, quelque chose est bon. Et l'autre version est peut-être meilleure. Et on dit pas, cette version est plus bon. Donc, en français, c'est aussi une exception. En néerlandais aussi, ça devient beter. Het is een betere. Je mets d'office à l'adjectif un E. Pardon, après, je vais voir si je peux couper. Het is een betere versie. Ok. Donc, ici, je mets un E à l'adjectif. Et je peux seulement couper quand c'est neutre, indéfini et singulier. C'est pas indéfini parce que c'est hot. Donc, ça reste.
Het is, ou pardon, j'ai oublié, un betere versie. Ok, j'espère que ça c'est clair. Il va mieux. Hij gaat. Ou on dit aussi souvent stelt het. Surtout parce qu'ici j'ai l'impression que quelqu'un était malade. Donc hij stelt het. Et puis mieux c'est beter. D'accord? Donc c'est aussi l'adverbe mieux, beter. Donc, meilleur et mieux en néerlandais c'est le même mot. En français vous avez ici l'adverbe et alors ici l'adjectif. En néerlandais c'est beter. Et quand il est à la fin de la phrase, on met jamais de e. Ni à l'adverbe d'office, pas l'adjectif non plus. D'accord? Je veux une attitude meilleure. Ik wil een. Donc meilleur, c'était beter. Je mets toujours un e parce que c'est. Je ne sais pas encore si je peux couper. Attitude, c'est gedrag. Pardon, gedrag, c'est het gedrag. D'accord? Ik wil een beter. Je peux couper. Parce que c'est neutre, c'est indéfini et c'est singulier. Donc, je peux couper le E. Voilà. Ik wil een beter gedrag. Cette voiture est moins chère. Donc, quand c'est moins, bah, je n'ai pas la possibilité de juste coller quelque chose derrière. Donc, je dois toujours écrire moins. Et le mot moins, c'est minder. Donc, cette voiture... Des auto, pourquoi c'est des et pas dit parce que c'est un mot avec de, is minder duur. À la fin, jamais de e. D'accord? La voiture qui est moins chère vient de Chine. Souvenez-vous, souvent en néerlandais, on va dire la moins chère voiture vient de Chine. De minder duur. Auto komt uit China. Vous voyez ici, j'ai laissé le mot dur. J'ai pas collé quelque chose derrière parce qu'avec moi, je peux pas le faire. Avec plus, si c'est maintenant plus cher, alors c'était dur de rein. Ok, alors deux choses. Donc dur. Donc au départ, je devrais. Ça, c'est mon adjectif. Je mets toujours un E quand c'est l'adjectif. Mais souvenez-vous, quand on a une syllabe ouverte, on peut couper un U. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur les syllabes ouvertes et fermées. Regardez-la si vous ne connaissez plus, si vous ne savez plus comment ça fonctionne. D'accord? Minder dure auto komt uit China. Très bien. Il est plus gentil que Samir. Hij is. Et donc, gentil, c'est vriendelijk. Quand je veux dire plus ou bien je mets meer devant, mais ici, je peux mettre ER à la fin. Si vous mettez meer devant et pas le ER, ok, mais moi, je dirais, hij is vriendelijker dan Samir. Et vriendelijk est à la fin, donc après, bon, à la fin, c'est-à-dire après le verbe, parce que le verbe est ici. Donc, je ne mets pas de E. D'accord? Alors, les gens qui sont moins organisés perdent du temps. Donc, et puis de nouveau, qui sont moins organisés, je vais mettre ça en un adjectif. Je vais dire les moins organisés gens perdent du temps, d'accord? De minder georganiseerde mensen verliezen tijd, d'accord? Avec minder, bon, je ne peux pas coller quelque chose derrière, donc de minder georganiseerde mensen verliezen tijd. Très bonne phrase, je mets toujours E, je ne peux pas couper. Parce que c'est un pluriel, d'accord? Ok. Alors maintenant, les gens qui sont plus organisés sont plus vite prêts. Donc, je vais écrire les plus organisés gens de. Et je pourrais écrire, regardez, attendez, donc organiser, c'est georganiseerd. Bon. Donc, vous allez dire, vous allez mettre plus, donc je peux mettre ER. À la fin, encore un E, parce que je ne sais pas si l'adjectif, c'est avec ou sans E. Mais ça devient long. Donc, quand ça vient d'un verbe et que c'est, quand c'est long, je ne fais pas ça. Je mets meer devant.
de meer georganiseerde. Bon, mon E, je dois toujours le mettre, voir si je peux le couper. Oui, pardon. Donc, les plus organisés gens, mensen, c'est pluriel, donc je dois laisser le E. Zijn. Et maintenant, plus vite, et vite, c'est snel. Et donc là, par contre, plus vite, ben, c'est un mot court, donc je vais mettre ER, mais je dois aussi doubler le L. Ça, vous pouvez regarder dans cette fameuse vidéo, syllabe fermée ou ouverte. De meer georganiseerde mensen zijn sneller klaar. Très bonne phrase. Je veux un professeur plus gentil. Ik wil een... Et maintenant, le verbe est, pardon, l'adjectif est évidemment devant professeur. Plus gentil, c'est vriendelijk. C'est gentil, vriendelijker. C'est plus gentil, à l'adjectif. Ik wil een vriendelijker leraar ou leraresse, si c'est une femme. Si vous dites, moi je trouve que c'est long, vous coupez ça. Vous coupez le RE et vous mettez meer devant. Ik wil een meer vriendelijke leraar. Non, moi je vais dire vriendelijker. Een vriendelijker leraar. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement la longueur, c'est aussi le fait que ça, ça ne vient pas d'un verbe. Quand ça vient d'un verbe, on met beaucoup plus facilement meer. Et je pense même que votre professeur vous oblige de le faire. Je veux un professeur plus organisé. Donc, je vais... Ik wil... et puis, donc, je vais mettre plus organisé devant, parce que l'adjectif en irlandais est devant. Donc, plus organisé. Est-ce que je dirais georganiseerder? Non, c'est long. Donc, je coupe le RE et je mets meer devant. Ik wil een meer georganiseerde leraar. Vous avez vu? Donc, quand ça vient d'un verbe, je mets meer devant. Et quand c'est très long, je mets aussi meer devant. Mais ça, c'est à vous de choisir. Je veux une voiture moins chère. Ik wil un... Bon, moins, on n'a pas le choix. Donc, on doit mettre minder. Dure, auto. OK, vous avez vu, j'ai mis un E à l'adjectif. Oui, c'est pas un E. Auto n'est pas un mot neutre. Donc, je ne peux pas couper le E. Il faut un E. J'ai coupé un U. Ça, c'est la vidéo syllabe ouverte ou fermée. Ik wil een minder dure auto. Très bonne phrase. On est presque à la fin. Je veux une voiture plus chère. Ik wil een. Maintenant, par contre, donc, ça c'est cher et plus cher. Ça, hein, pour dur, je vous ai expliqué, je mets aussi un D, pas seulement ER, mais aussi D. Et le E de l'adjectif, auto. Ik wil een duurder auto. Bien, je veux une voiture plus belle. Ik wil een... Ça, c'est belle. Ça, c'est plus belle. Et un E pour l'adjectif. Ik wil een mooiere auto. Je ne peux pas couper le E parce que ce n'est pas un mot neutre. Oui, ici, il part en dessous. Je préfère une version plus récente. Ik, je préfère ik verkies. Een... Et maintenant, je vais mettre plus récente. Récente. Ça, c'est récent. Plus récent. J'ajoute ER. Adjectif. E. Ik verkies een recentere versie. J'espère que vous me suivez. Je préfère une version moins récente. Ik verkies een. Et maintenant, je n'ai pas le choix. Minder. Recente versie. Hop. Et la dernière, je préfère une version plus détaillée. Attention, détaillée, ça vient d'un verbe, le verbe détaillé. Donc, on va devoir utiliser meer. Ik verkies een meer et gedetailleerde versie. Ik verkies een meer gedetailleerde versie. Gedetailleerd, ça vient d'un verbe et c'est long. Et donc, j'ai mis meer et pas ER, E-O-R-E, ou bien E-R-E à la fin. J'espère que c'est clair, Amy, et aussi pour les autres. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer éventuellement des exercices, etc. Ou bien juste en dessous de la vidéo, ou bien
par mail, maybe Miss A can help you @gmail.com. Je vous remercie. Bon dimanche.